s'est-il passé? Qui nous a fait ça? Il se trame quelque chose de grave. Nous devons trouver nos alliés. Par ici! Les Dracthyr sont en train de se libérer! Retenez-les! Je me rappelle avoir obéi à un ordre. Je n'ai pas de cible. Depuis quand étions-nous en stase? Depuis très longtemps, à en juger par l'état du couvoir. Vous avez l'embarras du choix. Un échange équitable. Tâchons de prendre nos marques. C'est notre devoir qui nous lie. Restez fidèles à votre wield. Du nouveau. Gardez-le. Préparez-vous. Nous allons rejoindre le garde-terre. Neltharion saura nous expliquer ce qui s'est passé. J'en suis sûr. Les Dracthyr qui refusent de dormir mourront. Ils n'ont pas leur place sur Azeroth. Ce sont les vestiges d'un passé révolu. Je dois m'approcher. Ah !
ciel clair et vent fort. Quelles sont les nouvelles? Les Dracthyr trouveront leur place en ce monde. Ciel clair et vent fort. Cendre écrase! Peux-tu lever cette barrière? Zuri! J'avais justement besoin de renfort! Tu as trouvé le garde-terre? Non, il n'est pas dans cette salle. Par contre, j'ai trouvé... un autre dragon. Approchez, fidèle disciple de Maligos! Pas de quartier pour ces aberrations! Je sens qu'on va s'amuser. Dis-moi, Zuri, as-tu des souvenirs de... d'avant la stase? Des bribes seulement. Une bataille face à un terrible adversaire. Zuri, une victoire. Nous avons payé très cher. Nous trouverons des réponses. Mais avant cela, il faut faire sortir les nôtres de là. Par les ailes ou par les serres, nous y arriverons. C'est trop loin. Sommeil assiduré. Ce dragon va faire s'effondrer notre seule issue. Nous sommes le bouclier des Dracthyr. Les Dracthyr trouveront leur place en ce monde. L'entraînement est en piteux état. Nous avons dû rester en stase pendant une éternité. Trêve de bavardage, Kodeti. Nous sommes en danger. Quant à vous, tâchez de vous préparer au pire. Je vous écoute. De quoi avez-vous besoin? Reprenons l'entraînement. Vous avez vos ordres. Un combat amical, peut-être. Je ferai l'impossible. Thank you.
respect, ça se mérite. Mais ce fanal est saturé de magie. Il a dû être placé ici pour nous contenir. Vous tenez l'alerte. Vous appelez ça un uniforme ? Vous cherchez quelque chose en particulier ? Ravi de me rendre ici. Quelles sont les nouvelles ? Ciel clair. Groupe ennemi en... Mort au Dracthyr ! Ardental ! Garde-terre soit loué. Nous aurons bien besoin de sa sagesse. Prenez le temps de regarder. C'est un marché. Je n'attends qu'un ordre. Servez. Ravi de vous revoir, Ardental. Mais où est votre Wyrm ? J'ai pu sortir de ma torpeur. Pas mes Dracthyr. Puisse leur nom rester gravé dans les mémoires. Puisse leur nom rester gravé dans les mémoires. Les Dracthyr attendent leurs ordres. La diplomatie d'abord. Quelle est la situation ? Je crois à la planification, pas à la chance. Allons-y. Ciel clair et vent fort.
Les Dracthyr attendent leurs ordres. Gardez le ciel clair et vent fort. Allons-y. Restez vous-même. Nous trouverons. Dervishan, inspectez le couvoir des écailles d'ébène. Sandrekraz, allez quérir les caducées. Prudence dans le ciel. Des dragons surveillent le secteur. Neltharion nous ferait la peau s'il voyait ce chaos. Je vous écoute. De quoi avez-vous besoin? Les caducées ont besoin de nous. En avant! Nous avons des victimes dans nos rangs! Un combat amical, peut-être. Vous avez vos Viridia! Viridia! Tu es là? Je suis hors de portée. Calme, Sandrekraz. Doucement. Viridia, je... on était à ta recherche. Chut, je sais. Tu es toujours aussi courageuse et intrépide. Portez-vous bien. Faites bien attention à ne rien casser. Il te faut du repos, Viridia. Tu devrais t'allonger. Baliverne, je me sens pas... parfaitement bien. Rapportez vite ces glandes à toxines. Je dois m'approcher. C'est trop long. Je suis hors de portée. C'est trop loin. Je suis hors de portée.
Je dois m'approcher. Je suis hors de portée. C'est trop loin. Maman dit que mes dépenses seront plus grandes que celles d'un mammouth. Je dois m'approcher. C'est trop loin. Yeah.
Venez, reposez-vous un moment. J'attendrai votre retour avec impatience. Je vous écoute. De quoi avez-vous besoin? Vous avez vos ordres. En quoi puis-je vous aider? J'ai des malades à ausculter. Aider les soigner les draconides? Ces brutes voulaient nous soumettre. La miséricorde est d'une force, cendre écrase. J'accomplirai mon devoir. Je suis hors de portée. Eh bien, revenez vite, je vous attendrai. Prenez, je vous en prie. Sauvez autant des nôtres que possible, et honorez la mémoire des défunts. Je dois m'approcher. Je suis hors de portée. Approchez.
devoir est d'aider les autres. Serrez-vous les coudes. Prenez. Mes gens vont avoir besoin de temps pour se remettre avant de rejoindre les autres. Et les draconides ne sont pas des rapides. Les draconides ? Neltharion a dit qu'il ne fallait jamais faire preuve de pitié. Comme nous, ce sont des subalternes qui ne font que suivre les ordres. Les écailles d'ébène sont aux prises avec des dracs sauvages, des tarasecs et des élémentaires. On les surnomme les primalistes. Les nôtres ont donc encore plus à craindre que nous ne le pensions. Qu'avez-vous à signaler? Ciel clair et vent fort. Restez vous-même. Les écailles d'ébène ont besoin de notre aide. Au cratère tombe éclat! Je ne vends que les meilleurs produits. C'est un marché acceptable. Un choix juste. Affûtez vos serres et préparez-vous à cracher le feu. Nous allons devoir en découdre. Restez fidèles à votre Wyrm. Ciel clair et vent fort à vous. Je sais que nous avons bravé un danger similaire par le passé, mais... mes souvenirs sont confus. En apprendre davantage sur nos adversaires nous aidera peut-être à recouvrer la mémoire. C'est trop loin.
vous offrons la liberté et le pouvoir. Affrontez les aspects à nos côtés. S'éveillent. Imprégnez-moi de leur force et je libérerai la Manche Tempête. Je dois m'approcher. Acceptez le don de la Manche Tempête. Ensemble, déchaînons sa puissance sur ce monde. Les écailles d'ébène sont droit devant. Le respect, ça se mérite. Restez fidèles à votre wield. Il y a du nouveau. Allons-y. La diplomatie d'abord. Les gars. Si nous détournons l'attention de ce dragon, les écailles d'ébène pourront frapper. Rapprochez-nous de la cible, puis donnez le signal.
L'ordre a été donné. À l'attaque! Écaille d'ébène, chargez! Ces misérables sont indignes de leur sang draconique. Laissez-les. Cela n'a aucune importance. Les éléments m'ont conféré le pouvoir dont j'avais besoin. La maîtresse de la tempête va enfin être libérée. Dans notre couloir, nous attaque à notre réveil, et une armée d'élémentaires se presse à nos portes. J'exige des explications, assura-t-elle. Les réponses devront attendre. Les primalistes entendent déchaîner une tempête dévastatrice. Nous devons les en empêcher. Assez. Ce sera en attendant que l'on retrouve le garde-terre. Mon Wern n'obéit qu'à moi seul. Compris? Très bien, mais restez sur vos gardes. Des dragons survolent les lieux et pourraient être hostiles. Écaille d'ébène, rassemblez les chevalières des victimes et préparez-vous à partir. Il y a beaucoup à faire. Nous trouverons. Ces fanatiques parlent de déchaîner une tempête. La menace est plus grave que vous ne le croyez. Nous craignons que ces primalistes ne cherchent à libérer une force ancestrale et terrible. Pourquoi devrait-on vous faire confiance ? C'est le garde-terre qui vous envoie ? Où est Neltharion ? Neltharion ? Il y a tant de choses que vous ignorez. Je m'appelle Ébissian, et voici Irion. Nous répondrons à vos questions en temps voulu. Mais d'abord, il faut unir nos forces et frapper, sans quoi l'adversaire triomphera. Nous sommes ici chez nous. Les Dracthyr ne se laisseront pas faire. Nous combattrons à vos côtés, mais nous n'avons pas d'ordre à recevoir de vous, dragon. Très bien. C'est entendu. Mais tâchez de ne pas nous gêner. Ce n'est pas la première fois qu'il me faut triompher d'adversaires venus du fond des âges. Comme on se retrouve. Je n'attends qu'un ordre. Servez avec honneur. Qu'avez-vous à signaler ? Ciel clair et vent fort. Thank you.
Notre Dracthyr, les primalistes ne doivent surtout pas entrer dans le caveau Gibrosquier. Je n'ai pas de cible. Je dois d'abord choisir une cible. Qu'est-ce que vous voulez? Dégagez-vous. Ce caveau renferme notre héritage. Nous ne les laisserons pas s'en emparer. Que la tempête se déchaîne. Elle va enfin recouvrer sa liberté. Elle va enfin recouvrer sa liberté. Que la tempête se déchaîne. C'est trop loin. Vous vous prosternerez devant elle, devant toutes les incarnations. Je vais libérer la manche tempête. Qu'avez-vous à signaler? Nous trouvons... Repliez-vous! Aidez les victimes! Pitoyable fantin de Neltharion! Votre mec est mort, et le monde s'abandonne! Le garde-t-elle? Mort! Personne ne nous viendra en aide! Je n'ai aucune confiance en vous. Irion et Ebissian nous doivent des réponses.
Je vous remercie, Dracthyr. À présent, allez chez... Parlez, dragon. L'incarnation a-t-elle dit vrai? Neltharion est-il mort? Le Neltharion que vous avez connu a disparu il y a longtemps. C'est une histoire compliquée. Notre héritage perdu. Les Dracthyrs sont redoutables, en vérité. Il y a beaucoup à faire. Restez vous-même. Conduisez les nôtres en mesure. Je vais rester ici pour chercher des survivants. Et des réponses. Voyez, l'aspect de bronze est arrivé. Enfant de Neltharion, écoutez-moi, votre heure n'a pas encore sonné. Je refuse de m'incliner devant un autre aspect. À tous les Warcraft, préparez-vous à évacuer. L'aspect va nous couvrir. Approchez. J'ai à vous parler. Azeroth fait peser un grand danger sur ce monde, tout comme votre éveil annonce de grands changements. Prévenez les royaumes d'Azeroth. Ce voyage vous permettra peut-être de vous découvrir une nouvelle destinée. Irion, Ébissian, vous connaissez les peuples de ce monde. Guidez les Dracthyrs dans leur périple. Intemporel. Je suis fier de servir en toi. Serrez-vous les coudes. Viridia, viens avec nous. Ne m'abandonne pas. Je regrette, ma chère amie. Mon Wern restera sur les îles aux dragons. Si le destin le veut, nous nous reverrons bientôt. Ciel clair et vent fort semble écraser. Viens avec nous. J'en ai assez d'obéir.
Neltharion a manqué à sa promesse. Et notre allégeance envers les dragons n'a plus lieu d'être. Oubliez les écailles d'ébène. Nous sommes désormais la flamme fracturée. Nous nous emparons du destin qui nous revient de droit. Quelle sa colère le pousse sur la loi d'ambition. Quand nous reverrons, j'ai bien peur que ce soit en tant qu'adversaire. Cerf noir, en formation! Nous devons quitter les confins. Ouvre la marche, Ébition. Les gardes suivront Irion. Enfant de Neltharion. Difficile est votre réveil, qui vous met face à un passé brisé et à un avenir incertain. Pour autant, les fils du destin tissent une nouvelle voie menant à de lointains rivages. Les sables du temps vous porteront sur leurs ailes. Racontez ce que vous avez vu au reste du monde. Avertissez les royaumes de la tempête qui menace. Nous voici à Hurlevent, capitale du royaume humain et joyau de l'Alliance. C'est aussi le siège du pouvoir d'un ami qui m'est cher et qui est, malheureusement, absent. Impressionnant, ces remparts. Cette ville résisterait à l'assaut des adversaires les plus redoutables. Peut-être même à des dragons. Vous ne croyez pas si bien dire. Avant que nous entrions, je dois ménager mes effets en adoptant une forme plus familière. Je comprends. Le garde-terre aussi avait une forme anthropique. Ainsi, ces gens vous connaissent. Bien sûr. Vous allez voir que je vais être accueilli à bras ouverts. Avez-vous confiance en moi? Apprenez du passé, regardez vers l'avenir. Les Dracthyr trouveront leur place en ce monde. Les gardes d'Obsidian. Armée de Hurlevent, permettez-moi de... Irion! On vous a déjà dit de ne pas débarquer à l'improviste, surtout quand vous avez de la compagnie. Mille excuses, cher maître espion, mais j'apporte des nouvelles des aspects dragons pour le seigneur commandant Turaléon. Quant à ces Dracthyr, je vous promets que vous n'avez rien à craindre. Ils ne cherchent pas la bagarre, juste un refuge. Je vous tiendrai personnellement responsable de leur comportement. Vos Dracthyr sont libres de circuler dans la ville, mais le SI-7 les gardera à l'œil. Laissez-les passer. Oh, les créatures mortelles.
Salutations. Adieu. Bienvenue. Faites un bon voyage. Amis des grumelots. En cas, et friandises, gris-gris et marchandises. Que vos pieds suivent les bonnes pistes. Restez fidèles à votre wield. Ne baissez jamais votre garde. Je suis ravi que vous ayez accepté notre invitation à partir pour les îles aux dragons, Seigneur Commandant. Les aspects ont consenti bien des sacrifices pour sauver notre monde lors du cataclysme. L'Alliance répondra à l'appel et se battra aux côtés des dragons une fois encore. Alex Traza en sera reconnaissante. Mais elle exigera que vous laissiez vos conflits derrière vous avant d'arpenter ces rivages. Il s'agit d'une expédition et non d'une opération militaire. Je vous en donne ma parole. Pour honorer notre trêve avec la Horde, j'ai ordonné à la Ligue des Explorateurs de collaborer avec le reliquaire. Songez un peu au savoir ancestral que nous allons redécouvrir ensemble.
Les îles aux dragons sont notre foyer, pas un territoire à conquérir et piller. Les Dracthyr accompagneront l'Alliance dans ce voyage, mais il faudra du temps pour qu'une relation de confiance s'établisse. Étant moi-même soldat, je partage votre méfiance, Azuratel. Splendide ! Vous avez déjà trouvé un terrain d'entente. Sur ce, commençons les préparatifs pour notre voyage. Les îles aux dragons vous attendent. La forme anthropique est l'apparence que vous souhaitez présenter à autrui. Serez-vous affable et abordable, ou sévère et farouche? La deuxième option est la plus populaire parmi mon peuple. Moi, je préfère une allure fringante et dangereuse cette maison. La magie est en vous. Sondez votre fort intérieur. Et concentrez-vous sur la forme qui vous correspond. Y a-t-il un sujet qui vous tracasse? Le vol noir sans besoin de l'existence qui séparait notre monde et le cratère a été déchiré. La lame d'ébène est toujours prête. Je vous attends à Hurlevent. Rejoignez-moi avant que les froides griffes de la mort ne s'emparent d'Azeroth. Je vais faire des coups. Attention aux grands méchants Yeti, hein!